À vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, Émilie. Votre choix de l'actu du jour. Emmanuel Macron n'a pas peur de débattre. En revanche, il ne veut pas débattre avec les candidats avant le premier tour, mais avec les Français. Donc, nous étions à ce tout premier face-à-face -face hier soir. C'était à Poissy. Mohamed, bon, votre story du jour. 2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Parmi eux, des petits grands héros. C'est comme ça que la presse ukrainienne les surnomme. Ces enfants qui ont fui l'Ukraine. Et parmi eux, un enfant de 11 ans. Il a voyagé pendant 1000 kilomètres. 1000 kilomètres à travers l'Ukraine pour arriver en Slovaquie. Je vous raconte cette histoire ce soir. Patrick, votre édito ce soir. Pour la sale guerre de la Russie en Ukraine, la Syrie a servi de laboratoire. Même méthode et mêmes objectifs civils visés. Autant de sujets qu'on soumet à nos invités ce soir, Raphaël Pitti, médecin humanitaire qui revient tout juste de Pologne. Euh, des réfugiés qu'il a accueillis à Metz, dont il est originaire. Et le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, porte-parole et soutien de Jean-Luc Mélenchon et Pierre œil ce soir. Je vous ferai peut-être découvrir la photographe mexicaine Graciela Iturbide qui en, en noir et blanc a magnifié toutes les couleurs du Mexique, elle expose à la Fondation Cartier, et on peut dire que sa vie, elle a 79 ans, euh, est un symbole euh, des droits des femmes euh, acquis de haute lutte. Et on me rappelle qu'on est le 8 mars, la journée internationale pour les droits oh, des pas. femmes. Nos invités du dîner ce soir, un hein, quatuor de choc Michel Larocque, Isabelle Nanti, Patrick Timsit et Thierry Lermite. À l'affiche d'un film qui se veut positif, solaire, joyeux, malgré une actualité sombre. Rendez-vous avec nos invités juste après 20h. Alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine pour le 13e jour consécutif, deux images, ce mardi à la une du New York Times, les destructions massives de quartiers résidentiels de la ville de Mykolaiv au sud du pays sous les bombes depuis deux jours, et l'attente de femmes et d'enfants à la gare de Lviv près de la frontière polonaise dans l'espoir d'un train vers un travail à lieu plus sûr. Aujourd'hui, le chiffre de 2 millions de réfugiés ukrainiens a été atteint et continuera à progresser, s'inquiète le haut commissaire de l'ONU. Aux réfugiés cet après-midi ce sont 237 réfugiés ukrainiens qui sont arrivés à metz à l'initiative du médecin humanitaire raphaël pitti ah oui c'est la mascotte quelle était l'atmosphère dans ces convois beaucoup de tristesse de la fatigue bien sûr en même temps beaucoup de de sérénité, des gens qui il y a quinze jours menaient la même vie que nous et dont la vie a complètement basculé du, du, du fait de cette guerre auquel personne ne voulait croire. When you woke up at 5 a.m. you hear all those like war sounds and you read in all messages you have calls that you should leave this city and when you look at your window and you see these flashes lights and you hear those sounds you don't know what to do. Quelle était la situation dans cette ville quand vous Нашого міста більше немає. Елятиразирус повністю. Є деякі дома, які вціліли, але там, на жаль, проживати неможливо, тому що повибивало шибки, вікна, двері. Люди ховаються в підвалах. Постійна авіація, постійні артобстріли. On a lancé un appel à toutes les familles qui ont de la place chez elles euh, ou qui ont des meublés qu'ils acceptent sur un certain temps euh, de les héberger. Expliquer qu'est-ce que les attend en France. Et tout de suite, la première question, est-ce qu'on peut travailler en France? Et deuxième question, on peut rentrer dans notre pays. Reportage pour C'est à vous signé Louis Amar et Anaïs Recouli. Bonsoir Raphaël Piti. Bonsoir. Médecin humanitaire spécialiste de la médecine de catastrophe, c'est vous qui, à l'initiative du maire de Metz, François Grodidier, avez organisé ce convoi humanitaire. Où étaient ces réfugiés Alors nous sommes allés euh, très près de la, à la frontière avec l'Ukraine, dans la ville de Tchemlich, qui est, là, euh, est au poste de frontière même, qui s'appelle Medica. Euh, au niveau du, du poste frontière, nous avons assisté effectivement à la sortie massive, à la fois des, par des voitures et puis à pied, etc. Euh, des Ukrainiens, qui, la frontière était largement ouverte, personne ne les retenait, ils arrivaient euh, comme ça en flot. Et puis ils étaient, euh, ils montaient dans des bus et les bus les accompagnaient dans un centre d'accueil. Vous-même, vous êtes parti de Metz avec quatre bus avec des denrées alimentaires, absolument, des produits de secours, absolument. des vêtements chauds. Oui, Est-ce oui. que vous avez découvert en arrivant sur place une pagaille monumentale. C'est ça, c'est ça. Alors, en, en fait, il y avait deux centres d'accueil. Le premier centre d'accueil, il y avait environ à peu près dix mille personnes dans ce centre. c'est une ancienne foire d'exposition, et les, un des grands hangars avait été mis à, organisé pour cela, et c'était une pagaille immense, immense pagaille où les gens étaient là euh, en essayant de, de pour certains, il y avait deux types de populations. Celles qui avaient un point de chute et pour lesquelles ils cherchaient absolument des moyens pour aller en Allemagne ou éventuellement rendre. pour s'y rendre, etc. Et donc, au même temps que vous aviez exactement... En même temps, une grande mobilisation européenne avec des gens qui se promenaient avec des, des cartons pour proposer justement deux places, trois places à Berlin, un peu partout dans le voilà. C'est ce que vous et, avez fait vous-même. Alors, bon, alors on s'est retrouvé dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait au même temps Et puis vous aviez une population, euh, surtout des femmes et des enfants, qui n'avaient pas leur mari et qui eux n'avaient pas de point de chute. Et donc l'idée était de rester en Pologne, près de la frontière, pour pouvoir dans l'espoir de retrouver leur mari dans l'espoir de pouvoir rentrer. De c'était la masse, la masse des personnes qui ne voulaient pas. Les Polonais avaient mis en place un certain nombre de bus à direction de, de Varsovie, de Cracovie, etc., pour les répartir. Une masse de gens, mais ça, ce n'était pas organisé. Ils essayaient de monter quand les bus arrivaient, euh, de, de rentrer dans les bus, qui vraiment une foire d'empoigne. Il y avait beaucoup d'associations qui distribuaient de la nourriture partout. en même temps, des détritus, de la saleté, ça sentait mauvais, etc. Euh, on aurait voulu, à un moment donné, dire stop. On organise et puis on recommence, quoi. À un moment donné, pour avoir donné un, un ordre et puis en même temps essayer d'organiser les choses au mieux pour mieux diriger, mieux prendre en charge ces populations qui étaient là. Ce qui était vrai dans l'autre camp dans notre camp, était parfaitement bien organisé. Il y avait moins de monde, il était plus petit, environ 2000 personnes, et c'était très très bien organisé. Et les gens étaient mis dans des cellules en fonction de leur destination. Donc quand nous sommes arrivés, on a dit la France, on a dit cellule numéro 3. Et dans la cellule numéro 3, vous, des aviez, lieux que vous avez des d'accueil, des cellules, des ouais. cellules ouais. qui étaient organisées, où les gens dormaient à l'intérieur, et direction la France, direction le Portugal, direction l'Espagne, dans cette direction-là. Des réfugiés Donc, qui arrivent de toute l'Ukraine après plusieurs journées sur les routes. Oui, et oui, oui Et oui, effrayés oui. parfois à l'idée de venir en France, ne sachant <coughs> pas comment ils y seraient accueillis. C'est pour ça que vous êtes parti avec un infirmier psy sur place, pour nous, les rassurer Alors, ça c'était le convoi. Je, je suis parti avec le directeur de cabinet de François Grodidier. Et nous sommes reste. partis justement en avant pour essayer de voir un peu quelle était la situation et de manière à essayer d'organiser au mieux pour gagner le, le, le plus de temps possible pour essayer de retrouver. Et donc après, nous avons rejoint les quatre bus avec un infirmier par bus, deux médecins euh, qui étaient là, il y avait quatre interprètes au même temps, et il y avait un certain nombre de bénévoles, etc. Donc euh, globalement, nous avons essayé de rassurer les, les, les gens, et c'était vraiment très important d'avoir les interprètes, une fois qu'ils étaient dans les bus, de bien leur expliquer où ils allaient, ce que, comment les choses allaient s'organiser pour eux, etc. Euh, dans quel état psychologique, physique sont ces, ces et, réfugiés, ces femmes, euh, ces enfants, ces personnes âgées Écoutez, il, il y a une angoisse profonde. Ils sont très très angoissés. Il n'y a pas d'avenir possible. Ils se posent des questions et, et vous avez, une, euh, je vais vous dire, une sorte de sidération qui fait que tout est calme. Je parlais tout à l'heure de dix mille personnes. On est frappé par le calme. Qui est là. Euh, ils sont en expectative de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et donc, il y a un calme très, très grand. Personne ne se bouscule, on ne s'attaque pas, on ne se bat pas, etc. C'est très calme, très, très calme. Et c'est un fait que je connais en situation de catastrophe. C'est-à-dire, il n'y a plus, on a perdu ses repères. On n'a pas de projection dans l'avenir, donc on a perdu ses motivations et on est là en train d'attendre de savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Et donc c'est là où l'organisation est très importante parce qu'elle est de nature à rassurer les gens. Et quand vous, euh, à la situation, vous répondez par la pagaille de nouveau, par le, par le désordre, alors bien évidemment, ça accentue cette angoisse. Cette situation très difficile rappelle une autre guerre et une autre crise. C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Des villes ukrainiennes assiégées et bombardées, des promesses non tenues de cesser le feu pour évacuer des civils par des couloirs humanitaires, l'armée russe reproduit les mêmes méthodes et les mêmes stratagèmes qu'en Syrie. Oui, c'est un sinistre déjà vu pour les, les humanitaires, les diplomates et pour les Syriens survivants, notamment du terrible siège d'Alep à la fin 2016, pendant des mois. Sous couvert du combat contre Daesh, l'aviation russe a méthodiquement bombardé les objectifs civils, écoles, hôpitaux, centres de secours, marchés, immeubles d'habitation, convois humanitaires. Certaines cibles alors pulvérisées par des bombes à fragmentation, comme celles qui se sont déversées sur Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. En juillet dernier, le ministre russe de la Défense, Shoigu, se vantait d'avoir testé en Syrie, testé plus de 320 type d'armes, y compris des hélicoptères, un exercice grandeur nature en quelque sorte qui se déploie aujourd'hui au cœur de l'Europe. Pourtant, Moscou promet toujours d'épargner les civils autant que possible. Toujours. Les diplomates russes promettent toujours, pendant que les militaires russes n'arrêtent jamais de faire la guerre, cela rend fou euh, leurs interlocuteurs et cela terrorise les populations. En Ukraine, les Russes emploient les mêmes subterfuges qu'en Syrie concernant les couloirs humanitaires. Un accord est trouvé pour évacuer des civils, généralement pour les jeter dans les bras de leurs assaillants en Syrie. C'était les forces de, de Bachar al-Assad, mais le plus souvent, les Russes prétextent d'un cessez-le-feu rompu pour bloquer le couloir ou bombarder les routes pendant l'évacuation. C'est ce qui vient de se passer à Marioupol comme à Alep en 2016. Le jour n'est pas encore levé lorsque les premiers bus arrivent dans le centre d'Alep. Ils sont censés permettre l'évacuation de milliers de civils, mais personne n'embarquera finalement ce matin. L'accord conclu hier n'aura vécu que quelques heures et ce midi, c'est à nouveau la confusion qui règne dans les rues de la ville, comme l'expliquent certains habitants sur les réseaux sociaux. Bonjour mes amis, le cessez-le-feu est déjà rompu. Vous entendez les tirs de roquettes qui tombent Il y a eu des blessés et c'est le régime qui frappe. À la peste soumise à un déluge de feu et finalement réduite à un champ de ruines, environ, euh, c'est une estimation, hein, celle de l'organisme syrien des, des droits de l'homme. 8 000 civils sont morts sous les bombes russes durant cette offensive. L'Ukraine est condamnée au même sort que la Syrie Alors c'est apparemment la volonté de Vladimir Poutine. Aucun scrupule pour ce peuple frère, comme il l'a dit lui-même. Même politique de la terre brûlée quand. Tchétchénie et en Syrie, ce qui change, mais pour combien de temps Ce qui change, c'est la capacité des Ukrainiens à se défendre et à infliger des pertes à l'assaillant russe. Il y a une semaine, Moscou annonçait la mort de 500 hommes au combat. En quelques jours, c'était déjà considérable. Les Russes n'ont eu que très peu de pertes en Syrie. Aujourd'hui, le Pentagone estime que l'armée russe a perdu entre 2 000 et 4 000 soldats. Une catastrophe et un impact certain à venir au sein de l'opinion russe. Parmi ces morts, au moins trois haut gradés, le dernier étant le général Gerasimov, chef d'état-major de la 41e armée russe. Son décès près de Kharkiv a été annoncé par plusieurs sources. Gerasimov, vétéran des guerres de Tchétchénie, de Crimée et de Syrie, un symbole. Raphaël Pitis, qui se joue en Ukraine est du même ordre que ce qui s'est joué en Syrie. Mais oui, bien évidemment, c'était évident. Nous n'avons jamais tiré les leçons de ce qui s'est passé en Syrie, pas du tout, depuis dix ans. Euh, il y a une stratégie russe qui a été appliquée en Tchétchénie et qui fonctionne très bien, qui a très bien fonctionné aussi en, en Syrie, comme elle va bien fonctionner aussi en Ukraine. Il ne s'agit pas du tout de combat d'armée de, contre armée, il s'agit simplement d'une stratégie qui vise à encercler les plus grandes villes du pays. Une fois qu'elles sont encerclées, on les bombarde de manière systématique et très fortement, de manière à terroriser la population et les combattants qui sont à l'intérieur. La ville est assiégée à ce moment-là, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau potable. Euh, les gens en froid, les gens en faim et ça va durer autant que cela est nécessaire. Et ça peut durer alep six mois, la Routa huit mois, huit mois la Routa, euh, avec des blessés à l'intérieur plus de médicaments possibles. Nous avons combien de fois condamné cette situation, les hôpitaux qui sont bombardés systématiquement, etc. Combien de fois avons-nous été sur vos plateaux, etc., pour dire la situation, ces crimes contre l'humanité La population syrienne est victime. Elle a été martyrisée pendant toutes ces années avec toutes les armes possibles et inimaginables. Tout, tout aura été utilisé contre eux. Et ne pas oublier qu'il y a 500 000 morts sur ces dix années. On oublie les pathologies chroniques qui n'ont pas été prises en charge. On évalue à 1,5 million, à 2 millions de personnes qui sont mortes de manière secondaire liée à l'absence de soins. Vous avez 7 millions de Syriens à l'extérieur, 6 millions à l'intérieur qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Voilà la situation. Qu'allons-nous voir en Ukraine Eh bien, vous aurez ça. C'est-à-dire que toutes les grandes villes vont être encerclées. Elles seront bombardées systématiquement. On coupera l'électricité, on coupera l'eau potable, etc. Ensuite, de quoi ils vont être On va les assiéger ils vont se rendre, et bien entendu, comme toujours à chaque fois, comme en Tchétchénie, on va leur dire, vous sortez. À Alep, la population a été chassée de la ville, et ensuite, on va la trier, cette population, et on ne fera rentrer que ceux qu'on voudra bien faire rentrer à l'intérieur de la ville. Et, je vous le dis, les Européens, les Occidentaux ont tort. Vous ouvrir des corridors humanitaires. Ça va dans le sens de Poutine. C'est donner une arme de guerre. Mais évidemment, à il va Poutine. envoyer 10 millions d'ukrainiens en, en Europe. Il va nous envoyer le maximum sur 40 millions. Il va ouvrir des, dès à sauver présent. Des vies, euh, mais il ne s'agit du... pas, pas de ça. Il s'agit justement, bien sûr, de sauver mmh. des vies. Mais au même temps, il aboutira à ce qu'il veut. Il veut la neutralité de l'Ukraine. Il veut au même temps prendre le Donbass, et c'est ce qu'il fera, et il mettra en place l'équivalent de, de, de Assad, la même chose que ce qu'il a fait en Biélorussie, la même chose qu'il a fait en, 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 en Géorgie, il va mettre quelqu'un à sa solde. Et quand il sera en position de force, il va vouloir négocier avec nous, en position de force. D'accord Vous dites on n'a pas retenu les leçons de la non. série. Qu'aurait-il fallu faire, Raphaël Piti et que faut-il faire là pour venir en aide au peuple ukrainien je, je vous assure, Poutine est un homme qui est totalement dé... résolu dans ce qu'il veut et il va jusqu'au bout de ce qu'il veut. La vie ne compte pas, la vie compte pour nous, chaque vie a de la valeur. Elle n'a aucune valeur pour ces hommes qui sont sur un logiciel de l'ancienne URSS. De... Ça n'a pas d'importance, l'homme n'a pas d'importance, seul compte l'objectif que l'on se fixe et donc la vie n'a pas de valeur à ce point-là. Aujourd'hui, les, Euro les Européens disent, les Occidentaux disent, laissez ouverts des corridors humanitaires. Mais nous allons avoir 10, 15, 20 millions d'Ukrainiens. Il faut obtenir ce qu'avait obtenu Erdogan. Quand Erdogan s'est vu avec 4 millions de Syriens chez lui, il a dit, j'en ai trop. Les Occidentaux ne comprenaient pas. En 2015, il ouvre la frontière. Ils, en ont, ils nous envoient un million et demi. Nous réagissons comment La crise de 2015-2016. Et on lui donne 6 milliards pour qu'il les garde. Alors, ou nous faisons ça à la Pologne et on donne de l'argent à la Pologne pour qu'elle les garde et à la Moldavie, à la Hongrie, on vous donne de l'argent, vous les gardez, ou alors on négocie ce qu'avait fait Erdogan, la possibilité de laisser les Ukrainiens dans des zones de désescalade de la violence, c'est-à-dire créer des zones à l'intérieur de l'Ukraine dans lesquelles il n'y aura pas de survol aérien et que... Effectivement, la population peut venir se faire sécuriser avec des corridors humanitaires pour les alimenter. Les ONG viennent, etc. Tout ça à l'intérieur de, de l'Ukraine, de leur pays. Qu'ils ne quittent pas leur pays. Qu'ils ne quittent pas leur pays parce que ça fait pression en même temps sur Poutine. Ils sont là, ils sont là présents. Idlib résiste encore. Pourquoi Parce qu'il y a un corridor humanitaire, il y a les, les rebelles qui sont là, donc l'armée est présente là-dessus, et donc Idlib résiste. Poutine a fait fermer tous les corridors humanitaires. Il n'en reste plus qu'un, celui-ci. Et celui-ci résiste. Mmh. Et celui-ci est, une, est un, un, un pôle de résistance d'une manière importante. Il faut que nous fassions la même chose. il faut que nous fassions, Et que nous ayons le courage d'accepter d'avoir froid dans nos appartements cet hiver. Et que nous acceptions d'avoir une température de 18 degrés. Et qu'on n'achète plus de pétrole et de gaz à Poutine. Parce que tous les jours, vous versez à Poutine l'exacte somme qu'il dépense pour la guerre en Ukraine. Nous lui donnons l'argent par l'achat de gaz et de pétrole que nous faisons tous les jours. Nous versons cette somme-là. Alors, soit nous sommes assez stupides et nous avons bien enregistré le fait que nous abandonnons l'Ukraine, alors il faut négocier dès maintenant et dire OK, on abandonne l'Ukraine. Ou alors on, est, on a du courage et il n'y a pas d'engagement sans risque. On ne peut pas s'engager à, à vouloir défendre l'Ukraine sans qu'il y ait de risque. Alors, acceptons d'avoir froid cet hiver. La question des réfugiés qui s'invite euh, évidemment dans la campagne présidentielle, Pierre. Oui, avec un certain nombre de prises de position. Et ce matin, par exemple, Eric Zemmour a fait la différence entre les victimes de la guerre en Ukraine et ceux d'autres conflits. Il y a une immigration blanche chrétienne, vous dites OK, une immigration euh, euh, arabe musulmane, vous dites non. Absolument. Clairement je, Clairement. Je dis euh, l'immigration. La, la, la souffrance est la même. Hein. Ah, mais tout à fait. Et l'humanité est la même. Et, et tout, elle, tout est la même chose. Nous sommes tous des êtres humains. Ce que je dis après, c'est comment on, on, les, on les assimile. Est-ce qu'il y a des gens proches de nous Est-ce qu'il y a des gens éloignés de nous ils, on Nous avons démontré aujourd'hui, tout le monde l'a compris, que l'immigration arabo-musulmane est trop éloignée de nous. Et que y a, y a, y a, c'est de plus en plus difficile de les acculturer et de les assimiler. Donc, effectivement, nous sommes plus proches des Européens chrétiens. Voilà qui est, si j'ose dire, net et sans bavure, si j'ose dire. Euh, vous, euh, vous qui avez connu les deux types de conflits, vous réagissez comment euh, Au propos de M. Oui. Zemmour, mais M. Zemmour est un juif séfarade. C'est oublié que les juifs séfarades étaient sous domination arabe et que nous les avons très bien assimilés. Nous les avons très bien assimilés. D'ailleurs, entre les séfarades et les autres, ils ne se supportent pas parce que justement ceux qui viennent de l'est considèrent que ce sont des arabes les séfarades. D'accord Alors donc, c'est possible de les assimiler. La preuve, M. Zemmour. Nous l'avons assimilé. D'accord Alors qu'il vient nous donner des leçons à nous. Moi, je suis chrétien. Et je suis profondément chrétien. Et un chrétien ne fait pas de différence dans l'humanité. Au contraire, c'est une profonde richesse dans notre terre que nous soyons tous très différents. Et c'est vraiment très important. Je suis antinationaliste. Je ne crois pas aux nations. Je crois à l'humanité. Et dès lors que quelqu'un se trouve dans un pays, par le hasard, il est noir, dans le Sahel. Dans la plus extrême pauvreté, n'aurait-il pas le droit de vouloir espérer une autre vie que celle que le hasard lui a donnée N'aurait-il pas le droit de se déplacer pour essayer de trouver sa dignité N'aurait-il pas le droit de le faire Mais qui peut l'empêcher de le faire Il y a cette terre, elle nous appartient à toutes, à toute notre humanité. Où que nous allions, nous sommes chez nous. Où que nous allions. Et personne n'a le droit de s'opposer justement à cela. Alors nous avons profité par notre système capitaliste, nous avons affamé des milliards d'individus. Et si nous vivons comme nous vivons, c'est parce que eux on leur a enlevé le droit d'avoir une certaine dignité. Ne l'oublions pas, maintenant que nous arrivons à la fin du capitalisme, n'oublions pas ça. Il faut partager maintenant parce que la Terre est unique et qu'elle ne peut plus nous donner plus qu'elle nous a donné jusqu'à présent. Aujourd'hui, il faut partager. Pour rester avec nous, on continue à évoquer l'actualité, c'est la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, l'histoire d'un petit grand héros ce soir. Oui, c'est comme ça que les, la presse ukrainienne les surnomme les petits grands héros de la guerre depuis le début de l'invasion russe. En Ukraine, le 24 février, on le disait, 2 millions de réfugiés ont quitté le pays, parmi eux des dizaines de milliers d'enfants. Des images insoutenables et des chiffres aussi, des statistiques dramatiques. Plus de 35 enfants ont déjà été tués en Ukraine. D'autres fuient le pays par tous les moyens, parfois avec pour seul bagage un sac plastique, un passeport et un numéro de téléphone. C'est le cas pour un jeune garçon de seulement 11 ans qui a fait un voyage de plus de 1000 kilomètres. Un enfant qui est parvenu à rejoindre la frontière slovaque, un pays qui a déjà accueilli près de 130 000 Ukrainiens. Le garçon est originaire de Zaporizhzhia. C'est là-bas que la plus grande centrale nucléaire européenne a été touchée par un incendie la semaine dernière après une frappe russe. Dans la foulée de cette attaque, sa maman, Yulia, a décidé de mettre son fils seul dans un train en direction de l'ouest du pays. <coughs> Я дуже вдячна за те, що ви врятували життя моєї дитини, бо поруч з моїм містом є атомна станція, яку російські окупанти обстрілюють, і вона горіла. І я не можу залишити свою маму їй 84 роки. Вона не може сама пересуватися. Я Посадила сина на потяг, відправила його до кордону Словаччини, де його зустріли. À son arrivée en Slovaquie, les gardes frontières se sont occupés de l'enfant, le petit papier qu'il conservait précieusement correspondait à un numéro de téléphone de ses proches qui vivaient à Bratislava. Ils ont pu prendre en charge l'enfant. Le ministre slovaque de l'Intérieur a déclaré qu'il avait conquis tout le monde avec son sourire, son intrépidité et sa détermination digne d'un vrai héros. D'autres bébés et enfants ont moins de chance en Ukraine. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pris la parole solennellement ces dernières heures pour évoquer ce sujet. En 40 ans de carrière, je n'ai pratiquement jamais vu une telle prépondérance de femmes, d'enfants, de personnes âgées, de personnes avec des handicaps donc c'est une population très très caractérisée par tout cela. C'est significatif je pense de s'en souvenir aujourd'hui la journée internationale de la femme, les hommes font la guerre et les femmes en paient les conséquences. Raphaël Pithy. Aujourd'hui, on a pu lire dans la presse ukrainienne deux demandes. La première, c'est de recevoir, recueillir ces enfants réfugiés avec ces mamans qui partent seules parfois et qui laissent leurs enfants aussi, comme on l'a vu dans ces images. Et le deuxième sujet, l'aide de médecins européens, notamment pour l'hôpital pédiatrique de Kiev. Oui, oui, bien évidemment. Le problème essentiel, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de l'Ukraine, d'aller à Kiev et savoir que Kiev va être bientôt encerclée. Les hôpitaux risquent d'être bombardés. Un hôpital a déjà été bombardé la semaine dernière. D'autres hôpitaux vont suivre, bien évidemment. Quels sont ceux qui sont prêts à payer de leur vie pour rentrer et, et aller là-bas Qu'il y ait éventuellement le déploiement de structures médicales dans la périphérie, que l'on organise éventuellement les évacuations de Kiev des blessés, etc. Comme nous l'avons fait en Syrie, nous avons ouvert des Centres hospitaliers Syrie, en Syrie à Bab -el awa par exemple, à la frontière Syro-Turque. Nous en avons ouvert à d'autres endroits des hôpitaux très proches des frontières, et nous étions la structure de l'arrière, c'est-à-dire que les, les blessés arrivaient, ils étaient stabilisés, on fait ce qu'on appelle le damage control dans les zones qui sont très proches des combats, de manière à assurer la survie de ces blessés, et ces blessés doivent être évacués vers des structures qui sont protégées, c'est-à-dire proches des frontières, en quelque sorte. Et pouvoir transférer les blessés les plus graves vers les structures, vers les, vers les pays avoisinants. Avoisinant, et c'est ce que nous avions fait avec la Turquie, c'est ce que nous avions fait avec la, le Liban, etc., de manière à évacuer les blessés les plus graves pour être traités dans les hôpitaux dits de l'arrière. Aujourd'hui, c'est exactement cela qu'il faudrait faire. On n'en sent pas le besoin immédiatement. Je suis allé au poste, euh, poste frontière de Medica, où il y a une structure sanitaire israélienne. Ce sont les sauveteurs sans frontières qui sont là présents. On a surtout une pathologie de médecine générale, de pathologie saisonnière éventuellement, de quelques blessures, etc. On n'a pas de demande de blessés graves. Grave de guerre pour l'instant. Manifestement, ils restent dans leur, euh, en Ukraine, ils sont soignés dans leurs hôpitaux. Mais il viendra un moment donné où ces hôpitaux vont être submergés par le nombre et il faudra les aider à assurer le transfert vers des centres de l'arrière, ce qu'on appelle les centres de l'arrière. Il faut dès à présent, plutôt qu'attendre, ce que font les, les, les Ukrainiens, c'est à mon avis une erreur. Il faut dès à présent mettre en place ce schéma d'échelon l'échelon de l'avant, l'échelon intermédiaire et l'échelon de l'arrière. De et, et dès à présent, s'organiser dans, dans cette vision-là et ne pas attendre et négocier. On m'a demandé si j'allais là-bas, de ouais. regarder s'il y avait des blessés de guerre, est-ce qu'ils auraient besoin d'un hôpital, etc. Je pense que pour l'instant, non, mais il faut que les états-majors, en tous les cas, puissent négocier, prépare. s'y préparent et que qu'on puisse dès à présent organiser les évacuations. Vous allez retourner en Pologne pour éventuellement oui, euh, nous avons le permettre projet. à la oui, de revenir en France. Nous avons le projet. Vous voyez, ce sont les, les grandes villes qui sont impactées et donc les hôpitaux civils sont impactés. On n'est pas dans une situation d'une armée en combat qui a son propre système sanitaire, ses propres hôpitaux mobiles avec ses mmh. hommes aguerris justement à cette pathologie. On est comme en Syrie. On est. Les hôpitaux civils sont directement impactés à la fois par les pathologies de tous les jours et au même temps par les afflux de blessés. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire du tout, comme nous ne savons pas faire à Paris quand il y a eu le bataclan. Aujourd'hui, la médecine de guerre est, un, est une cause nationale en France. Hein nous devons les former. Et donc, nous avons le projet de faire ce que nous avons fait en Syrie, monter des centres de formation pour former les sauveteurs. Les sauveteurs, dans la première heure, 50% des victimes dans situation de guerre ou de catastrophe meurent d'étouffement. Ou meurt d'hémorragie et seul le sauveteur est capable de faire les gestes simples qui vont permettre de stabiliser et de transférer vers des structures où les chirurgiens apprennent ce qu'on appelle le damage control, la chirurgie de guerre, etc. Et l'évacuation de ces victimes-là. Il faut que dès à présent on puisse organiser cela pour les villes, etc. C'est aider en même temps. Si vous détruisez un hôpital, vous faites fuir les populations. Nous n'avons pas arrêté de le dire. Vous ne condamnez pas, mais chaque hôpital qui est détruit les populations fuient au même temps, puisque personne n'est en mesure de les soigner. Or, ça, ça a été une technique d'Assad, de, de détruire les hôpitaux pour faire fuir les populations. La guerre en Ukraine qui fracture un peu plus la gauche. Dimanche, Jean-Luc Mélenchon dédiait son meeting à Lyon à la lutte pour la paix. Nous portons un message à cet instant stop à la guerre Et c'est ce que j'incarnerai si vous m'élisez comme président de la République. Une France non-alignée qui n'accepte pas la violence des armes. Yannick Jadot, le candidat écologiste, réagissait sur Sur Radio. Euh, J'ai entendu le, le discours de Jean-Luc Mélenchon, euh, y compris maintenant il se prend pour Jean Jaurès. Mais Jean Jaurès doit hurler dans sa tombe. Il doit hurler dans sa tombe. Vous imaginez Jean Jaurès défendre des crimes de guerre et se faire un immense écran de fumée en disant PPP quand il s'agit d'abord de oui, refuser oui. de refuser des sanctions massives contre Vladimir Poutine quand il s'agit de refuser d'armer la résistance ukrainienne mais heureusement que les anglais et les américains ont armé la résistance française Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, vous faites hurler Jean Jaurès dans sa tombe, vous reprochez Yannick Jadot, et pourtant vous persistez et signez Il ne faut pas armer la résistance ukrainienne. C'est-à-dire qu'il faut que la guerre s'arrête le plus rapidement possible. Poutine est l'agresseur, il doit retirer ses troupes. Maintenant, la question, c'est qu'on a face à cela une puissance euh, extrêmement dangereuse, une puissance nucléaire, même si mmh. c'est... Euh, puissance militaire déclinante, mais qui reste quand même le deuxième arsenal nucléaire. Et il faut que ce que nous fassions ne rajoute pas une spirale à la guerre. Et donc euh, nous sommes favorables, contrairement à ce que dit Yannick Jadot, mais il le sait, mais c'est pas grave comme il est mmh. en présidentiel, il est bon de dire tout et n'importe quoi. Kipling disait une des premières victimes de la guerre, c'est la vérité. Nous sommes pour des sanctions, notamment. Moi, j'ai lu euh, l'économiste, je l'ai invité parfois Thomas Piketty, très intéressant ce qu'il dit. Il estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 personnes oligarques russes qui ont une fortune équivalente à, et supérieure à 10 millions d'euros, sans aucun doute accumulée en raison de la proximité avec Poutine. C'est une kleptocratie. Hein. Aujourd'hui, la Russie, c'est un système ultra-capitaliste. Il dit pour 20 000, au moins, on des avoirs, qu'il estime à moitié, en Europe et particulièrement en France. Allons-y Moi, j'ai vu Jean Castex à l'Assemblée nationale nous dire l'autre jour qu'au niveau européen, pour l'instant, on estime. 500, 647, je crois, dit euh, Castex, personne qui pourrait être saisie. Et pour l'instant, si je dis des sottises, corrigez-moi, je crois qu'à part un yacht à la Ciotat on, a, euh, on est dans l'incapacité de saisir quoi que ce soit vis-à-vis -vis de ces gens. Eux, c'est l'entourage de M. Poutine. Eux, il faut s'en prendre à eux pas faire mal au peuple russe qui en plus et on a tous ils manifeste contre Poutine donc c'est ça la question comment on arrive à avoir des sanctions économiques efficaces oui. et faire attention à ce que évidemment on, on fait pas la pas... guerre pour euh, pour oui. se débarrasser de la guerre hein. c'est la position de votre tout. candidat mais ça veut dire qu'on laisse celle le président Macron aussi, hein. ça veut dire qu'on laisse le président Vladimir Poutine c'est celle d'Emmanuel c'est celle d'Emmanuel Macron qui, à ma connaissance, a dit il y a pas longtemps, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Pourquoi isoler la position de Jean-Luc Mélenchon ah, vouloir... Emmanuel Macron est, est d'accord pour l'envoi avec l'Europe d'armes oui, défensives. C'est pas si simple. La, France, la France, parce qu'on a des armes défensives pour l'essentiel, c'est des gilets par balles, etc. Et quelque part, la France a raison de ne pas en rajouter. Je veux dire que les choses soient claires. Qu'est-ce que nous voulons Quelle expérience nous avons Il faut aller parce qu'à quel niveau on fixe ces armes Je pose la discussion. Ça s'arrête où parce qu'au bout d'un moment, nous avons là une puissance qui a des chars, donc on va nous aussi envoyer des chars. S'il faut vraiment, c'est la des, solution militaire pour C'est des, des armes anti-chars. D'accord, mais si c'est pas efficace. Et aussi euh, alors, des, Stinger, des missiles pour, euh, des Stingers, des missiles anti-aériens pour descendre les avions. Ni vous ni moi, on est des experts militaires. Et si c'est pas efficace, on envoie quoi, quoi après L'aviation française, l'armée française C'est une spirale. Vous aimez l'histoire comme moi. On sait très bien que si on commence, c'est une spirale qui entraîne. Et après, on se retrouve dans un endroit où il y a 16. Aujourd'hui, euh, base nucléaire et, et qu'on appelle ça centrale nucléaire, il y a quand même Tchernobyl. Là, on, on rentre dans une spirale extrêmement dangereuse où c'est une guerre mondiale qui peut arriver demain. Et moi, je n'en veux pas. Donc, c'est le moment de parler clair. Ce que dit Jadot ou d'autres, vous savez, c'est classique. C'était le cas, je ne me compare pas pour le coup, puisqu'il a parlé de Jaurès. Jaurès aussi, c'était un agent de l'Allemagne, agent du Kaiser. Et puis, même François Mitterrand en 81, c'était soi-disant l'agent de l'Union soviétique, les chars alliés. Toujours, la gauche s'est fait traiter comme étant un agent de l'étranger quand elle était. Non-aligné, je dis bien non-aligné, notamment vis-à-vis -vis des États-Unis d'Amérique. C'est le vieux vocabulaire de la gauche. Nous souhaitons une France indépendante qui est un facteur de paix. Qu'est-ce que c'est qu'on veut à l'heure actuelle C'est pouvoir créer les conditions que ça, que, même si c'est un vœu évidemment difficile, pieux, oui, mais presque pieux. Du moins, attention, une capacité à dire voilà. On a parlé de convoquer une, 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 une conférence de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, reparler des frontières pour une stabilité des frontières, ça fait dix ans que Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Et pour quelle raison Et là On va avoir un point de désaccord, c'est qu'il y a quand même cette vieille histoire sur l'OTAN. Ah, Et là, on y vient. Vous tend la main, si je puis dire. C'est l'OTAN qui est responsable, ouais. Non, bah, je n'ai pas terminé. Allez-y. Mais mmh. moi, la dernière fois, vous aviez évoqué, quand dit, vous avez ici même, le général Desportes. J'ai regardé l'émission parce que mon ami Adrien Quatennens c'était là. Et cher Patrick Cohen, vous étiez choqué à l'idée que, vous disiez le général Desportes, que lorsque le... le le bloc soviétique s'était effondré, il y avait eu quand même des conversations assez poussées avec les autorités de l'époque, et il avait évoqué notamment de la part des, de, 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 des États-Unis d'Amérique que l'OTAN ne ferait pas progresser ses positions. Ça, c'est une réalité historique. Des archives déclassées des aujourd'hui le disent. C'était des Donc, conversations orales, et oui, pas mais dans qui avaient leur écrit, importance, il pas qui avaient leur elle importance parce que quand on connaît la géopolitique, quand un empire s'effondre historiquement, non, bon, ça a toujours été facteur honnêtement, de guerre. Alexis Corbière, Je vous en prie, c est, c est, soyons est, honnêtes. Est, non, mais c'est des, des discussions passionnantes, mais c'est complètement dérisoire à ah côté bon de, 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 de ce que Poutine est en train de faire à l'Ukraine, à mais... un pays, et qui dit ça, un pays libre souverain, euh, oui. démocratique. C'est de euh, ça dont il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une guerre comme ça entre deux belligérants qu'on pourrait renvoyer dos dos, évidemment. Qui a renvoyé qu faut... dos façon. Prenez-moi au sérieux, je ne renvoie personne dos si, ados. En expliquant que ah Poutine bon est l'agresseur, mais l'OTAN est responsable de cette agression. Non. Vous les renvoyer dos non, ados et je, et Vous surtout, me prêtez là. V... Surtout, non, mais attendez, en, non, mais attendez on, on va parler sérieusement. De... Je voilà. n'ai pas dit ça. Allez au bout de votre phrase. Jetez-moi des pierres sur ce que je dis, s'il vous plaît. L'agresseur s'appelle Vladimir Poutine. Cet homme est dangereux. Ce n'est pas le problème. Maintenant, il s'agit de comprendre. Sinon, si on est uniquement dans... Euh, comment dirais-je oui, mais... Pour quelles raisons il y a eu cette accumulation de tensions oui, oui, oui. D'accord Y compris un homme comme Kinnan, je vous donne des arguments qui ont déjà circulé plusieurs fois, qui était un des conseillers des présidents américains, qui était vraiment un ultra-conservateur, un anticommuniste profond, a toujours considéré que, attention, l'OTAN, qui par ailleurs avait été créé à une époque où il y avait le bloc soviétique, allez, ne devait pas allez, faire avancer cette débat. J'admets parce que l'OTAN ne menace personne et à ma connaissance, elle n'a jamais menacé personne en Europe. Alors qu'aujourd'hui, il y a une armée qui est en train d'envahir et de mais, détruire, voire d'exterminer euh, tout un peuple mais, de, oui. de plus de 40 millions d'habitants. Regardez-moi, écoutez-moi. Qu'est-ce qu qui euh... empêche Qu'est-ce qui empêche de dire, Vladimir Poutine porte la responsabilité mmh. et de dire que si on veut le retour à la paix demain. Il faudra aussi discuter de où est-ce où sont les frontières, qu'on en discute je, je, et y compris qu'on discute de je, cette affaire-là. J'allais vous, vous poser on, la question on a, parce on que... peut réfléchir en période de guerre. Mais la lui, guerre, bah, c'est de la politique. Alors, donc, alors, donc, alors, réfléchissons. Ré, ré, réfléchissons. Euh, Jean-Luc Mélenchon à Lyon l'autre jour a, a répété euh, euh, que, que lui président, euh, il ferait sortir la, la, la France de l'OTAN. C'est un débat intéressant et c'est oui. un débat qu'on peut, qu peut avoir. Mais est-ce que aujourd'hui, ça n'est pas le Pire moment ah mais... pour sortir de <laughs> cette alliance qui nous, qui nous protège face à la menace soviétique. Dans votre programme, l'avenir en commun, il est écrit, je cite à peu près de mémoire, euh, l'OTAN aujourd'hui n'a plus lieu d'être oui. puisque nous n'avons plus d'ennemis. Puisque nous n'avons plus mmh. d'ennemis, est-ce qu'on pourrait dire cette phrase aujourd'hui, compte tenu de ce non qui mais... se passe à 3 heures de Paris Je vais vous donner le point sur un aspect, c'est qu'aujourd'hui le meilleur soutien de l'OTAN, si je puis dire, s'appelle Vladimir Poutine, celui qui empêche cette discussion. C'est Vladimir Poutine par son, son attitude d'agression. D'accord. Actuellement, c'est sans doute difficile d'avoir cette discussion. Il n'empêche qu'il faut avoir tranquillement si ce que je souhaite, en plus j'ai vu qu'aujourd'hui M. Zelensky dit des choses. Enfin, je veux dire franchement, la solution diplomatique, il faut qu'elle avance. Il faudra qu'on ait cette discussion par la suite. Mmh. Peut-être que là, dans la chaleur des événements, évidemment, mmh. euh, il s'agit d'avoir des, des positions claires de soutien à, à, à nos amis ukrainiens. C'est pas le mais sujet. Pas seulement la chaleur des événements. Si, face ben là, face à à la, il y a la guerre. Ça face à la folie guerrière de quelqu'un avec qui il oui. ne semble pas possible aujourd'hui. Mais, mais, mais le un monde n'est pas. Mais patrie, le monde. Mais cher Patrick, le monde n'est pas si simple. Par exemple, la guerre au Yémen. Bah. on en parle. Ça fait sept ans. Est-ce que les Français savent, vu que tous on est indignés par ces images de guerre, que depuis sept ans il y a une guerre qui a fait 370 000 morts? Oui. Dans lequel la France vend des armes, vend des armes à l'Arabie Saoudite et les... Je suis intervenu comme parlementaire plusieurs fois pour m'indigner du fait que nous vendons des armes. Donc le monde n'est pas un monde de paix dans lequel d'un seul coup M. Poutine vient. De... C'est plus compliqué que ça. Alors, moi je veux en... le désarmement général. Vous comprenez ce que je dis mmh. Et je pense que pour nous faire entendre aujourd'hui, dans un monde de tension où les États-Unis sont en difficulté, notamment dans leur endettement, il y a une tension avec la Chine qui est en train d'avoir lieu. Nous on doit pouvoir avoir une capacité de parole indépendante pour éventuellement dans ces moments de tension être un facteur de paix et de discussion oui. diplomatique. C'est pour ça que nous... Ne... Qu indé alors indépendante comment Puisque vous proposez des alliances altermondialistes euh, à la avec... place de, de l'OTAN. Par exemple, altermondialiste avec qui Quel, Quelle puissance Avec, avec, avec ceux qui le voudraient, avec oui, ceux, bien ceux bien. qui veulent <laughs> discuter. Mais qu que, pour quelle raison Nous avons besoin d'être dans une alliance militaire permanente sous domination des États-Unis bah si, 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 si la France sort de l'OTAN, nous à... serions à peu près seuls avec l'Autriche, la Suisse mmh. et, alors, et, et alors, le, sans doute et plus alors, pour très longtemps la Suède et la Finlande. Et s'il le faut sur certains sujets, nous ferons des alliances selon les circonstances. Le problème d'une alliance permanente, euh, c'est que, premièrement, que les choses soient claires. L'OTAN, juste pour qu'on ait en tête, et euh, je vous vois, vous voulez réagir, mais mmh. qu'on ait en tête des choses. Euh, Aujourd'hui, le, le budget militaire de la Russie, c'est 63 milliards. Militaire des États-Unis, c'est 12 fois plus. Et avec l'OTAN, c'est 1 700 milliards engagés, de dollars engagés dans les armes. Donc il y, y a un déséquilibre très fort. Donc les États-Unis d'Amérique, ils ont leurs propres intérêts. Même dans des détails, vous savez, je siège dans la Commission de défense et armée, le matériel que nous, nous produisons des armes en France, mais nous devons acheter du matériel compatible avec le matériel américain. C'est aussi un business, l'OTAN. C'est aussi d'une bureaucratie qui vous a bien été décrite, que fois par le général Desportes, qui s'auto-entretient. Donc nous, on peut avoir une position, comment dirais-je, indépendante. Qui fait, s'il le faut sur certains dossiers, faire alliance avec nos amis américains, nous le ferons. Mais nous pouvons aussi, par moment, ne pas courir derrière les intérêts américains. Parce que c'est aussi un volant d'entraînement de l'économie américaine, l'industrie d'armement américaine. C'est aussi des logiques, en raison notamment d'une évolution et de la situation d'endettement de des États-Unis et de la Chine, où il peut y avoir des tensions entre ces deux puissances dans lesquelles nous, on <coughs> peut faire entendre une voix indépendante. C'est ça l'intérêt de l'indépendance. Ça ne veut pas dire se coucher. Moi, j'en ai assez de me faire traiter de. de, de, de... J'ai vu l'audion M. Antoven nous insulte avec une vulgarité. Il dit qu'on ferait partie du pantalon, du parti du froc baissé. Vous avez un vocabulaire guerrier, violent à l'heure actuelle. Alors que franchement, le général de Gaulle, lui, avait considéré qu'il ah. fallait quitter le commandement intégré de l'OTAN. Ah, c'est pas pareil que de quitter l'OTAN. Euh, non, mais nous, bah oui, d'accord, mais ça commence voilà. par là, c'est ce que nous entendons. Oui, et nous la, la neutralité, quand il y a un fort euh, agresseur et qu'il y a je suis pas, un attendez. autre agressé, c'est plutôt prendre je, le parti de l'agresseur. Je, voilà. je précise une chose, vous avez ça. bien raison, je termine là-dessus. C'est oui. pas la neutralité. Moi, je ne suis pas neutre, hein. je suis du côté des Ukrainiens. Je ne suis pas neutre. Il y a un agresseur, il y a un agressé. Ce n'est pas le sujet. Maintenant, nous, comme puissance économique, il faut aussi que là-dedans, on ne soit pas entraîné dans la spirale des événements. Parce que là, on touche une plaque sensible, y compris l'Europe, où la question des nationalités, du nationalisme qui monte. Il y a aussi de l'extrême droite en Ukraine. Ça ne veut pas dire que je suis pas du côté des Ukrainiens. Mais il, y il y en a moins qu'en France. Oui. oui, et puis il y en a beaucoup en Russie aussi. Hein. Le, le Poutine est un ultranationaliste et aussi d'extrême droite. Mais, donc on est oh. pour calmer tout ça. Et je sais qu'à l'heure actuelle, bon. ça peut sembler difficile. Euh, la campagne présidentielle en <laughs> France, hier en marge de son premier déplacement de campagne à Poissy, le président candidat a expliqué son refus d'un débat direct avec les autres candidats avant le premier tour. Je ferai plusieurs formats qui prennent tous les candidats, mais après euh, je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Reproche. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferai différemment euh, du général de Gaulle, euh, de François Mitterrand, de Jacques Chirac euh, ou de Nicolas Sarkozy. Vous dire que vous vous que vous avez peur du débat. Que je me déroule pas de débat, plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus. Je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. Merci beaucoup. Donc, nous étions à ce tout premier débat face aux Français hier soir. 250 personnes présentes pour poser des questions sans concession au candidat Macron. Ce sera organisé par le maire de Poissy dans les Yvelines. Carl le Olive soutien d'Emmanuel Macron depuis 2017, qu'il a promis à nos reporters Ibn Raïs et Anaïs Recouli. Les Français invités étaient de tous horizons politiques et aborderont donc tous les sujets sans compromis, chose qu'il répétait d'ailleurs souvent Carl Olive avant de tendre le micro. Je veux juste vous dire, Monsieur le Président, je fais une toute petite confidence, mais comme ça une petite digression. On a posé huit questions, il y en a cinq qui ont posé les questions, Monsieur le Président, qui n'est pas voté pour vous en 2017. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vais passer la parole maintenant à, à David Lusso, Monsieur le Président, David Lusso, qui, qui a 49 ans, qui est cadre d'entreprise et que vous avez contrarié. Vous vous êtes décidé tard à annoncer votre candidature à votre réélection. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant Il y a une question. Qui va vous, vous être posé sur euh, l'immigration par quelqu'un qui est très en colère, qui s'appelle M. Castori, qui est ici. Bonsoir, M. le Président. Je ne suis pas en colère particulièrement, mais j'accepte la, la remarque de Karl. Alors voilà pour les moments les plus mordants des questions posées <laughs> par les Français, les moins convaincus. Après, attention, il y a eu quand même une colle des questions, une question assez pointue, notamment quand cette cadre en banque-assurance avait une question sur le plan d'épargne salariale, qui consiste à verser à chaque salarié une prime. Il y a une performance de l'entreprise. Si l'avantage est bien sûr très apprécié, le délai d'attente de 5 ans pour le déblocage est un peu long. Si vous êtes réélu président de la République, monsieur le Président, seriez-vous disposé, comme vos prédécesseurs, à permettre le déblocage anticipé pour motif présidentiel oh. Sauf que la réponse à sa question semblait moins intéresser cette dame que le fait même de poser la question à Emmanuel Macron. Merci, monsieur le président d'ailleurs mes collègues me regardent ils attendent la réponse est-ce que je peux venir à côté de vous pour prendre une photo s'il vous plaît ça c'était pas préparé hein. voilà donc euh, aucune relance aucune contradiction pas de journalistes qui ont pu poser des questions c'est tout, il n'y a pas une deuxième photo, Émilie Ah, ben, bah, il y a, les, y a les, les Français convaincus. Beaucoup d'applaudissements, de rires. Oui, oui, si, si, on les a. Merci encore pour votre implication. Je pense que beaucoup de craignants français sont très fiers de ce que vous faites. Moi, je vous le dis sincèrement. Et enfin, si vous le permettez, je souhaiterais vous offrir un livre que j'ai découvert tout à fait par hasard dans la librairie du Pinceret à Poissy. L'une des plus belles de France de mon point de vue. 93 rue <laughs> Gérald de Gaulle Comment vous avez trouvé Emmanuel Macron Il est resté à peu près une heure et demie à répondre à vos questions. Vous l'avez trouvé comment ce soir Écoutez, j'ai trouvé qu'il était très serein. Je trouve ça assez... Euh assez génial finalement de, de se rendre disponible. En tout cas, moi, c'est un rendez-vous que je ne voulais pas louper. Euh, je pense que c'était une rencontre très intéressante, avec des questions euh, concrètes et des réponses très concrètes. On n'a pas eu besoin d'avoir des gens debout sur les chaises euh, qui agitent des drapeaux pour avoir en face de nous quelqu'un qui était réceptif aux questions et qui avait les bonnes réponses. Je trouvais ça très pertinent. Donc Vous voterez quoi dans 34 jours Ah Je voterai encore une fois Macron. Emmanuel Macron, qui préfère débattre avec des Français qu'avec ses adversaires politiques avant le premier tour, c'est son droit le plus strict, finalement. Non, mais bravo pour ce que vous avez fait, parce que tout est dedans, là, franchement. Et je félicite aussi, je crois que c'est Simon Le Baron de France Inter qui a trouvé des fiches qui étaient données à Monsieur Macron et à, au président, à, à M. Olive. Où il y avait la fiche, la photo, la question avait été écrite avant, mais la question carrément... C'était préparé. C est, c est, alors on va reprendre, on va rester en Russie. C'était le, le village Potemkin, Quand la reine de Russie allait dans des villages, on montrait des gens heureux, bien nourris, etc. Là, c'est pareil. Alex Zemmour a fait exactement la même référence lorsqu'il oh. est venu sur ce plateau il euh, y a une sais. dizaine de jours. Je retire. Donc. <laughs> non mais euh, c oui, c'était à propos de Roubaix. Hein. Oui, c'était ah, autre chose. Hein, c'était un reportage Pardon. Sur, euh, sur Roubaix. Bon, écoute, <laughs> non mais. Euh, plus sérieusement, premièrement, il, il se trompe quand il dit que euh, les autres présidents avaient dérobé parce que c'était dérobé à ce type de débat parce que ça n'existait pas à l'époque, ce type de débat. En 2022, les chaînes d'infos la présence des médias, c'est mmh. pas la même France que les années 80, y compris la fonction présidentielle, c'est plus la même. Moi, je veux dire, l'ultra-monarchie présidentielle, je, je crois qu'il faut en sortir. Et je pense qu'il a fondamentalement tort de, de refuser un débat. Bien sûr qui servirait sans doute de... Les questions se concentrer sur lui. Mais ah bon oui. sang. Non mais oui, d'accord. Mais je veux dire, mmh. s'il refuse ça... Ça veut dire que là, c'est un coup porté contre le débat démocratique. Il a tort. Hein je veux dire, bon, bah, j'espère je, que les Français le, le lui diront clairement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mépriser. Et puis, c'est méprisant pour les autres, vraiment pour le coup. Je veux dire, il est, les autres ne sont pas à sa hauteur, en quelque sorte. Bon, Et ça, je ne le tolère pas. Bah, j'espère qu'au moins, il reviendra sur son idée. Il faut que les débats aient lieu. Il faut qu'on puisse le critiquer. Il faut qu'il réponde. Il est pas maladroit, normalement, dans ce genre d'exercice. Non, franchement. Ben et là, oui, il ouais. se ridiculise, si vous le dites. Non, oui. mais je veux dire, si un... c'est un compliment signé à la France non, Insoumise, on va pas Ce vous que comprenez. je veux dire, c'est un homme qui, en vérité, il a du ressort. Bon. Qu'est-ce qu'il craint Mais je trouve qu'il se ridiculise avec ce genre de, de, de soirée. Émilie, dans l'actualité, les manifestations de soutien à l'indépendantiste Yvan Colonna, toujours entre la vie et la mort après son agression en prison. Oui, enquête finalement confiée au Parquet national antiterroriste, notamment à cause du profil de l'agresseur présumé, un homme de 36 ans né au Cameroun, mais qui a vécu en Normandie. Il avait été condamné en 2015 à 9 ans de prison. Pour association de malfaiteurs terroristes, après avoir été arrêté en Afghanistan par l'armée américaine avant d'être remis aux autorités françaises, autant d'éléments que ne comprennent pas les Corses. En colère, ils manifestent par centaines depuis plusieurs jours. Comment Yvan Colonne, prisonnier politique Corse, pouvait-il se retrouver dans la même maison d'incarcération que des terroristes salafistes. Ce qui s'est passé en, en prison ne devrait pas arriver. Quand on condamne quelqu'un, on le protège même en prison. Ça a touché l'intégrité d'un militant nationaliste corse qui était dans une prison française, qui aurait dû être rapproché depuis très longtemps, que la loi n'a pas été respectée et que pour faire entendre notre voix, à part des manifestations, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse d'autre Bonsoir Hugo Michron, chercheur spécialiste du djihadisme enseignant à l'université de Princeton. Vous signez ce tract aux éditions Gallimard, Djihadisme européen, Quels enjeux pour l'avenir Juste un mot sur cette réaction, sur cette agression d'Ivan Colonna. Euh, selon vous, elle montre surtout la tension qui existe euh, entre les corses d'un côté et les djihadistes de l'autre, qui depuis quelques années ont pris l'ascendant dans les prisons Alors pas dans toutes les prisons, mais il y a une mutation en fait dans, les, dans les, certaines détentions, notamment franciliennes en, en Ile-de-France, du fait des, des revenants en fait de, de, de Syrie et d'Irak, et qui ont bouleversé des, les équilibres carcéraux. Vous savez, les équilibres carcéraux, c'est des équilibres très instables, et donc euh, des arrivées de populations peuvent changer, et... On va dire que les Corses euh, en détention ont historiquement représenté des, des groupes qui avaient plutôt l'ascendant. Et désormais, on le voit depuis 2015-2016, il, il y a des changements. Ça avait été déjà le cas à Fleury-Mérogis à l'été Fleury 2016. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là, je crois qu'il faut comprendre les demandes de mutation aussi d'un des, des, certain nombre de détenus Corses vers la province. Euh, dans, ce, dans ce tract de Gallimard, vous pointez euh, les écueils, euh, la stratégie européenne face au djihadisme. Et vous dites qu'on a souvent tendance à prendre conscience uniquement du danger lorsqu'il y a des attentats, après on oublie, on n'agit pas. Vous faites d'ailleurs un parallèle avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine et Vladimir Poutine euh, Oui, enfin, il y a des parallèles, c'est évident, dans le sens où on a tendance à réagir face au drame, euh, en pleine crise, et donc quelque part quand il est déjà très tard. Euh, en matière de djihadisme, ce que je montre, c'est qu'il y a des cycles. Et depuis 30 ans, il y a eu trois grands cycles avec des marées hautes, c'est-à-dire des moments de pique où il y a des attentats et des périodes, on va dire, euh, d'actualité brûlante et dramatique. Et puis il y a des périodes de marée basse, des moments où c'est plus calme et on est en matière de djihadisme plutôt dans, ces, dans, dans cette période-là. Et c'est paradoxalement dans ces moments-là où il faut agir. Et il ne faut pas attendre, si vous voulez, euh, qu'il y ait un attentat pour se réveiller et redécouvrir la réalité du djihadisme européen. Or, le djihadisme ne va pas disparaître de lui-même. Et ça, c'est le deuxième écueil que vous pointez. C'est une idéologie et ça ne se résume pas aux organisations qui s'en réclament. Oui, en fait, on a tendance à, à croire que le djihadisme, c'est du terrorisme. Alors qu'en fait, le terrorisme, les attentats, c'est une conséquence du djihadisme. Ça intervient, c'est la manifestation ultime, si vous voulez, de la présence du djihadisme dans les sociétés. Euh, L'autre écueil, c'est effectivement de croire que euh, les organisations djihadistes, euh, finalement, représentent la totalité. Non, on peut détruire Daesh en Syrie et en Irak, euh, et l'idéologie euh, peut euh, se maintenir. Et donc, ce qu'il faut, c'est penser à ces recompositions sur le long terme. Et de ce point de vue-là, la focale ne doit pas être tant française. Européenne et on a une tendance et d'ailleurs c'est une tendance qu'on retrouve dans l'ensemble des pays européens à sursingulariser euh, le djihadisme. Donc les Anglais pensent que le problème est anglais, les Danois pensent que le problème est danois et les Français que le problème est français. Alors que finalement le problème se pense quasiment dans les mêmes termes dans ces différents pays malgré les spécificités de chacun de ces pays. Vous attendez beaucoup euh, des politiques et de cette élection présidentielle. Ils sont soit dans le déni, soit dans l'hystérisation. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces candidats à l'élection présidentielle Déjà qu'il y a une nécessité pour que le débat ait lieu et que ce soit un débat de qualité. On ne peut pas faire plus mauvais débat en ce moment, je pense, et depuis septembre, autour de ces sujets. Par ailleurs, c'est un sujet évidemment très important pour la présidentielle, mais c'est aussi un sujet très important pour les citoyens français. Et de ce point de vue-là, il faut aussi responsabiliser, je crois, la société civile, qui a eu tendance à se défausser en pensant que finalement tout ça était du ressort de l'État et du ressort du sécuritaire. Et la question djihadiste, c'est une question de société comme une autre. Si on arrive à se mobiliser sur des sujets aussi importants que la guerre en Ukraine ou que le réchauffement climatique, on doit être capable de s'approprier, tant bien même ce sujet est douloureux et tant bien même il est compliqué, les questions djihadistes, mais ça veut dire comprendre intellectuellement euh, ce qui en ressort, et pas seulement, si vous voulez, euh, mettre euh, tout ça sous le, sous, de côté en attendant euh, de se réveiller au prochain acte dramatique. On peut penser le djihadisme entre deux attentats, et il le faut parce que la destinée qui s'ouvre en termes d'enjeux est très importante sur la question. Et il ne faut pas laisser ce monopole-là euh, aux forces divisives euh, de, de l'échiquier politique. Le déni, il est plutôt à, à gauche Dîner de manière historiquement, on va dire, il est plutôt à gauche, bien que pas seulement. Et puis l'hystérisation, elle est très clairement à l'extrême droite. Et, et ce monopole qui est en fait, c'est une dialectique. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a du déni qu'il y a de l'hystérisation. C'est parce qu'on on ne veut pas voir que finalement ceux qui prétendent tout voir et en fait ne voient que ça, euh, fait qu'on manque globalement de discernement. Et ça, c'est pour ça aussi qu'il faut s'en saisir comme un sujet. C'est un, un sujet majeur et, et ne pas abandonner ce, ce, ce débat-là à l'extrême droite en tout cas. Je vous ferai pas l'injure, Alexis Corbière, de réagir en moins de 30 secondes à ce sujet complexe et gravissime. Et puis j'ai noté que vous avez déjà pris position. Non non, je... non non, moi je suis un, vrai que je vous dise, un laïc convaincu défendant la laïcité. C'est un mot parfois qui, ne, qui devient qui est un peu déformé de sa réalité. Mais après, nos services de renseignement et aussi doivent travailler sur ce dossier qui est compliqué. Voilà, et j'observe que souvent les moyens ne sont pas donnés. Et puis il y a aussi un malaise global de la société qui amène à ce que, sans nous, toute une série de gens se réfugient dans le fanatisme religieux violent pour euh, trouver aussi euh, une réponse. Mais euh, donc la question sociale, elle est toujours liée. Ce n'est pas du déni que de dire qu'on fera reculer le fanatisme religieux et la violence avec un monde de paix et aussi une société plus juste. Vaste débat. C'est dans 33 jours qu'on peut décider. Ouais, 10 avril. Je suis quand même Premier venu tour. pour défendre Jean-Luc Mélenchon, qui sera peut-être au deuxième tour. de l'élection présidentielle, Alexis Corbière, député de la France Insoumise, porte-parole et le soutien de Jean-Luc Mélenchon et Gomischeron, djihadisme européen. Quel enjeu pour l'avenir Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Raphaël Pitti, médecin humanitaire, d'être venu ce soir nous parler de votre opération de rapatriement de réfugiés à Metz. Dans un instant, le dîner de.